Bonjour, ce tutoriel pour apprendre à travailler le morceau Twinkle Twinkle Little Star Variation, qui est un morceau de la méthode tiré de la méthode Suzuki. Pour faire ce premier morceau de Suzuki, il est bien d'avoir intégré les quatre premiers tutoriels qui parlent de l'archet, des bases de l'archet et de la position de base de la main gauche. De la première empreinte. C'est seulement cette empreinte qui sera utilisée pour ce morceau. Avec la place des doigts, entre 1 et 2, il y a un ton, entre 2 et 3, un demi-ton, les doigts sont collés, et 3 et 4, il y a un espace d'un ton, les doigts ne sont pas collés. Quand nous apprenons un morceau, il est toujours bien de faire des petites parties, et ensuite ces petites parties, de les coller les unes après les autres. C'est bien d'éviter de commencer le morceau et d'essayer d'aller jusqu'au bout en s'arrêtant tout le temps et en hésitant tout le temps. Donc nous allons commencer à faire simplement une toute petite partie pour s'habituer à avoir les bons gestes. Et ces parties-là, je vais les appeler des boucles. Nous allons donc faire la première boucle, c'est-à-dire cette partie qui correspond à 4 doubles de croche sur la corde La au violon. Donc la corde La, la deuxième corde, là c'est marqué 0, ça veut dire que nous devons utiliser la corde sans poser les doigts à la main gauche. Le signe tiré veut dire que nous devons aller dans ce sens-là de l'archet, c'est-à-dire du talon de l'archet vers la pointe. Et comme c'est des notes courtes, les doubles croches et les croches, on ne va pas pouvoir utiliser tout l'archet. Il faut être assez rapide pour faire ces notes. Et dans ces cas-là, on utilise un coup d'archet qui s'appelle le détaché. Et nous allons utiliser environ un tiers à la moitié de l'archet. En tout cas, pas moins. Et plus serait même trop. Et nous allons utiliser aussi le milieu de l'archet. Car c'est l'endroit le plus confortable pour faire ce genre de coup d'archet. Il faut penser à avoir l'archet bien à plat sur la corde. Avoir aussi l'archet bien entre le chevalet et la touche, au milieu, et aussi avoir l'archet bien droit, c'est-à-dire qu'il ne soit ni trop comme ça, ni trop comme ça, mais bien perpendiculaire aux cordes, ou on peut dire bien droit. Il faut veiller toujours à avoir une bonne posture, avec le violon ni trop bas, ni trop haut, et penser à commencer le 4 double, les notes rapides, en tirant. Donc la boucle, elle doit toujours commencer en tirant l'archet, c'est-à-dire du talon vers la pointe, dans ce sens-là. Nous allons donc commencer en se mettant vers le tiers de l'archet et aller vers le deuxième tiers et s'arrêter par ici, en n'utilisant que cette partie de l'archet. Ça va donner donc cela, 4 double 2 croche avec le violon. 4 double 2 croche, 4 double 2 croche. Voilà. Donc nous allons apprendre ce coup d'archet. La difficulté, c'est de réussir à n'utiliser que l'avant-bras dans ce coup d'archet et d'essayer d'éviter d'utiliser l'arrière du bras. Pour cela, on va pouvoir commencer à le faire en mettant l'arrière de son bras contre le mur. Alors on ne doit pas mettre le dos, seulement l'arrière du bras qui doit coller le mur et qui ne doit pas s'en décoller. Et nous allons utiliser comme cela que l'avant-bras pour faire ce coup d'archet. Nous allons le faire au métronome, ainsi répéter environ 6-7 fois cette première boucle avec donc le bras collé. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4. Si besoin, on peut continuer à le faire plus de fois encore. Une fois que je commence à être à l'aise en faisant contre le mur, je peux essayer de faire le mouvement sans le mur et en faisant attention à n'utiliser que l'avant-bras et essayer d'éviter d'utiliser l'arrière du bras. On y va ensemble? 1, 2, 3, 4.
travail de la deuxième boucle, ce qui correspond à cette partie-là du morceau. 4 doubles de croche, mais cette fois-ci sur la corde Mi. Nous voyons que c'est toujours 1-0. Donc nous allons utiliser cette corde sans poser les doigts de la main gauche. Donc au violon, quand nous avons besoin de changer de corde, on a besoin de changer l'angle du bras. Plus on va vers les cordes graves, plus le bras est haut. Et plus nous allons vers les cordes aiguës, plus le bras est bas. Ici, nous allons passer de la corde La à la corde Mi. Donc nous allons baisser légèrement le bras. Il faut faire attention dans les changements de cordes à utiliser cette fois-ci tout le bras pour changer et non qu'une seule partie du bras comme que l'avant-bras. Là, on serait mal à l'aise pour jouer toutes les notes. Donc là, on doit penser à utiliser par contre tout le bras. Contrairement au coup d'archet détaché, où là on doit penser à utiliser que l'avant-bras. Ça va donc donner ça, cette deuxième boucle. Et on va le faire ensemble, en mettant le bras contre le mur, donc l'arrière du bras, qui ne doit pas se décoller du mur. On se met au tiers de l'archet, on va penser à tirer la note. On se met aussi à l'archet bien à plat, entre le chevalet et la touche, et l'archet bien droit. Cette fois-ci, notre bras sera donc un peu plus bas, puisqu'on est sur la corde Mi. On y va ensemble. 2, 3, 4. Maintenant, on va le faire ensemble, sans le mur. 1, 2, 3, 4. Chacune des étapes de travail par lesquelles on passe, c'est-à-dire la boucle 1, la boucle 2, la boucle 3, nous devons nous sentir à l'aise avant de continuer à l'étape suivante. Alors, chez certaines personnes, dès le premier jour, elles peuvent faire plusieurs boucles, elles se sentiront à l'aise. Chez d'autres, eh bien, faudra d'abord attendre plusieurs jours d'être à l'aise dans les deux premières boucles avant d'aller plus loin, avant de faire la troisième boucle. La troisième boucle, elle va regrouper la boucle 1 et la boucle 2. Donc nous allons faire la 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 mi 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 mi, ce qui va donner au violon ceci. La difficulté, c'est ici que nous devons changer de corde et le faire en gardant le tempo, en gardant la pulsation. Pour changer de corde, donc on doit changer la hauteur du bras. Quand on est sur la corde La, on est un peu plus haut, et sur la corde Mi, un peu plus grave. Donc nous allons nous entraîner à faire cela, d'abord avec le mur. Il faut donc faire attention de ne pas confondre le mouvement de l'avant-bras pour tirer et pousser l'archet, et le mouvement du bras entier pour changer de corde. La chose à laquelle je dois penser, c'est quand je fais la dernière croche de la boucle, c'est anticiper le changement de corde et donc le faire assez rapidement pour ne pas prendre du retard à ce moment-là. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4. Corde là. Corde Mi. Corde là. Et maintenant, nous pouvons le faire ensemble, sans le mur, en pensant toujours à changer d'angle quand on fait la dernière croche de la boucle. 1, 2, 3, 4. Corde Mi. Corde La.
pour la boucle 4, nous avons maintenant un Fa dièse. Le dièse, il est à la clé. Et donc ça, c'est un Fa où on a besoin d'utiliser le premier doigt sur l'accord de Mi pour le faire. Et puis ensuite, un Mi, avec toujours le même rythme, 4, double, 2, croche, 4, double, 2, croche. Cette fois-ci, donc, on a une boucle qui fait deux fragments de croche. Pour faire le Fa dièse, je dois donc avoir le premier doigt à la place du premier repère, si j'ai un repère, sur le violon. Et pour faire le Mi, eh bien, c'est ce que l'on a déjà fait tout à l'heure, il suffit juste d'enlever le doigt. La difficulté sera de mettre le doigt au bon moment et de l'enlever au bon moment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je commence avec le premier doigt. Je me mets au même endroit pour l'archet. Et ensuite, j'enlève le doigt pour faire la deuxième partie. Je dois pouvoir le faire sans m'arrêter. J'enlève le doigt. Je le remets. Je l'enlève. Quand je pose les doigts à la main gauche, je dois penser que le poignet doit bien rester droit, que les doigts doivent bien rester au-dessus des cordes, prêts à jouer, et le pouce doit être en face l'index. Je ne dois pas avoir le violon dans le creux de la main gauche, mais le violon est soutenu à la base de l'index et avec le pouce. Là. Voilà, nous allons faire ça en boucle. D'abord au mur, ensemble. 3, 4. Maintenant, sans le mur, ensemble, 3, 4, le Fa, le Mi, le Fa, le Mi. La boucle suivante, la numéro 5, on la trouve ici. En fait, cette boucle, si on analyse le morceau, il est toujours bien d'analyser et de comprendre le fonctionnement d'un morceau, on remarque que les deux premières lignes, eh bien, correspondent aussi aux deux dernières. Ce sont les mêmes lignes, ce sont les mêmes notes. Et la ligne 3, la ligne 4, sont deux lignes qui se ressemblent aussi, ce sont deux fois les mêmes lignes. Donc, quand nous faisons la boucle 5, c'est-à-dire cette ligne-là, ça correspond à faire cette première ligne du morceau. La boucle 5 est donc rassemblée toutes les premières boucles que nous avons faites, ou la boucle 3 plus la boucle 4. Nous allons faire ça ensemble. Voilà ce que ça la donne. Boucle 3. Boucle 4. Je reprends la boucle 3. Si on remarque qu'il y a encore besoin d'utiliser pour cette boucle-là le mur pour éviter d'utiliser l'arrière du bras, eh bien on peut le faire aussi au mur. Mais cette fois-ci, nous allons faire directement sans le mur pour le tutoriel. Si dans le détaché, il y a une tendance à continuer d'utiliser l'arrière du bras, il vaut mieux faire aussi avec le mur cette boucle-là. Ensemble donc, sur cette boucle 5, 3, 4, le La, le Mi, le Fa, le Mi. On recommence. La boucle 4. On recommence.
pour la boucle 6, elle correspond à la deuxième ligne du morceau. Donc nous voyons, c'est une boucle qui est longue et nous n'avons pas encore vu toutes les notes. La première chose que l'on remarque, c'est que l'on a toujours le même rythme de 4 doubles de croche partout. Donc ça, c'est une chose que l'on connaît déjà. La deuxième chose, c'est que l'on utilise donc des nouvelles notes. Là, on doit jouer un Ré. Donc le Ré, c'est marqué 3. On doit poser 3 doigts sur la corde La. Voilà, on doit commencer par cette note-là, le Ré. Ensuite, on a un 2 pour le deuxième 4 doubles de croche. Et donc, on doit juste enlever le troisième doigt pour faire un Do dièse. Ensuite, on a un 1. On doit donc enlever le deuxième doigt pour faire le 1. Et ensuite, eh bien, on enlève le dernier doigt qui reste pour faire le La. Donc nous avons déjà eu cette note-là avant, le La. Donc je recommence toutes les notes. On pose les 3 doigts en même temps. On les laisse sur la corde. Et voilà comment ça donne. 2 doigts. 1 doigt. 0. Voilà. On va le faire ensemble en boucle. Et on peut prendre un petit peu de temps à chaque fois de bien poser les doigts dans un premier temps. Le premier doigt, on doit donc le poser sur le premier repère. Le deuxième doigt, juste à côté du deuxième repère, parce qu'il est collé au troisième doigt. Et le troisième doigt sur le deuxième repère, qui est donc collé au deuxième doigt. Et avec le temps, on pourra essayer de poser le plus vite possible les 3 doigts en même temps, pour éviter de faire des trous entre les notes. Et donc pour réussir à être rapide, eh bien on doit penser à avoir les doigts bien au-dessus de la corde, prêts à être posés. Pour l'archet, c'est toujours la même technique utilisée dans cette boucle aussi. On va le faire ensemble au métronome. 3, 4, les 3 doigts. 2 doigts. 1 doigt. 0. Voilà. On prend le temps de bien reposer chaque doigt. Et on le refait ensemble. 3, 4, 3, 2, 1, 0. On recommence encore. 3, 4, le 3. 7, on la trouve ici. Ce sont aussi les mêmes notes que l'on trouve ici, la ligne juste au-dessus. Nous avons déjà eu d'ailleurs cet enchaînement de notes, le Mi avec le 0, puis le troisième doigt sur la corde La. On l'a déjà eu ici, ce qui correspond à enchaîner la boucle 5 avec la boucle 6. Voilà. Cet enchaînement n'est pas facile parce que l'on doit s'entraîner à faire un changement de corde et en même temps poser 3 doigts sur la corde La. Donc c'est pour cela que nous allons travailler en boucle ce petit passage en pensant à avoir les doigts prêts à jouer au-dessus de la corde. Voilà comment cela rend. Hop, 3 doigts. J'enlève les 3 doigts. Hop, je les remets. Et tout ça en changeant de corde en même temps. Je remets les 3. Donc il faut être bien rapide et précis. Nous allons le faire ensemble au métronome. Avant, il est bien de préparer la main gauche à avoir les 3 doigts au-dessus de la corde, au bon endroit. On y va. 3, 4. Le Mi, le Ré. Le Mi, hop, le Ré. Le Mi.
Maintenant, nous avons vu les 7 boucles et donc nous avons vu les principales difficultés du morceau. La prochaine étape est de réunir toutes ces boucles pour enchaîner le morceau. Si lors du travail des boucles, nous pouvons nous passer de la partition pour se concentrer vraiment sur le violon, là, il est bien de regarder la partition dans cette étape où nous devons apprendre à enchaîner le morceau sans se tromper de note. Alors, si on analyse, on remarque, comme j'en avais déjà parlé un peu tout à l'heure, nous commençons par faire la boucle 5 pour la première ligne, puis la boucle 6 pour la deuxième ligne, puis la troisième ligne commence par la boucle 7, c'est la même chose que là, et on continue avec un deuxième doigt et un premier doigt, que l'on a déjà eu ici, avant. Ensuite, la quatrième ligne commence comme la troisième ligne, donc c'est la boucle 7, on rajoute un deuxième doigt et un premier doigt. Ensuite, la boucle 5, puis enfin la boucle 6. Donc, pour souvenir, les deux premières lignes et les deux dernières lignes sont les mêmes, et les troisième et quatrième lignes sont les mêmes. Donc, une fois qu'on a appris trois lignes, on a appris tout le morceau. Avant d'enchaîner le morceau, il est important de faire attention à la posture. On doit se rappeler de bien positionner le violon, de bien se mettre à la bonne place par l'archet et faire attention à tous les détails de posture. Les détails de posture que sont d'avoir l'archet bien à plat, l'archet bien droit entre le chevalet et la touche, utiliser que l'avant-bras, d'avoir pour la main gauche les doigts au-dessus de la corde, le pouce en face l'index, le poignet bien droit, le violon bien à plat, entre autres, et d'avoir une main d'archet avec les doigts bien ronds. On va d'abord faire l'enchaînement ensemble, pas trop vite, c'est-à-dire à 60 au métronome. On y va ensemble. 3, 4, boucle 5. Une fois que l'on est à l'aise lentement, eh bien on peut commencer à accélérer le tempo du morceau dans l'enchaînement. Et donc maintenant, on va le faire à 70 au métronome, à la noire. Je vais dire le numéro du doigt qui doit être joué. On y va ensemble. 3, 4, 0. 0, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Alors, avant d'accélérer, il est important de bien réussir lentement. Et une fois que ça marche bien lentement, là, on peut s'autoriser à accélérer. Mais il ne sert à rien d'essayer d'aller trop vite, trop rapidement, et d'être mal à l'aise, parce qu'on risque d'apprendre des défauts. À 80 au métronome, et cette fois-ci, je ne dis plus rien. On y va ensemble. 3, 4...
le tempo final auquel il est bien d'arriver, c'est 100 au métronome, on peut même éventuellement aller plus vite, mais déjà ce tempo, c'est bien. Voici ce que ça donne, on peut le faire ensemble. 1, 2, 3, 4. Et puis enfin, une fois qu'on est bien à l'aise à le faire de plus en plus vite au métronome, eh bien, on peut le faire avec un accompagnement piano. Et là, on trouve sur YouTube plusieurs accompagnements de ce morceau, facilement, à différents tempos. Dans ce tutoriel, nous allons juste étudier la première partie de ce morceau, le A. Ici, l'accompagnement utilisé peut servir de karaoké. Alors, il y a trois tempos différents, 1 à 60, 1 à 80, 1 à 100. Et cet accompagnement peut servir aussi pour les autres parties du morceau qui ne sont pas étudiées ici. Avant chaque début, il y aura le tempo donné avec 4 la au piano qui permet de savoir quand commencer au bon moment.